le célèbre journaliste et papa de 4 enfants. Avec sa première compagne, la très discrète Florence, il a 2 filles. Mais à quoi ressemble son ex? Une photo existe et sur celle-ci elle prend la pose avec sa célèbre sœur. Journaliste et star du JT de France 2, Laurent Delahousse présente aussi 20h30 le dimanche. Ce 14 mai, il reçoit M. Pokora et Daniel Thompson. Si l'on sait qu'il est en couple avec la divine Alice Taglioni, avec qui il a 2 enfants, Swan, né le 7 février 2016 et Lino, né en décembre 2019, il a été en couple par le passé avec une jolie brune et ils ont eu 2 filles nées en 2005 et 2008, Liv, Hélène et Sacha. Mais que sait-on de ce premier grand amour? La mère des 2 premiers enfants de Laurent Delahousse s'appelle Florence Kiefer. Journaliste elle aussi, elle a étudié au CELSA et a notamment réalisé le reportage La guerre du tabac, qui traite de la fabrication de cigarettes de contrefaçon. Elle a aussi été à l'origine de reportages pour Zone Interdite ou Le Droit de Savoir. Le couple était à la tête d'une famille recomposée puisque Florence était déjà maman d'un garçon, Raphaël, lors de leur rencontre. Mes enfants, Liv, Hélène et Sacha, et l'amour que j'ai pour mon beau-fils, Raphaël, avait déclaré Laurent Delahousse à Figaro Madame en 2010. Florence étant très discrète, il n'existe qu'une seule photo d'elle où elle prend la pose lors d'une sortie publique, voire notre diaporama. Si le nom Kiefer ne semble pas inconnu, si est-ce parce que la sœur de Florence est célèbre. Il s'agit de Tina Kiefer qui a été chroniqueuse dans l'émission Froufrou de Christine Bravo et rédactrice en chef du magazine Marie Claire. Désormais, elle s'occupe à plein temps de son ONG Tout à l'école qui promeut l'éducation des filles dans les pays émergents. Rappelons que le séduisant Laurent Delahousse et Alice Taglioni ont eu un coup de foudre. Ils se sont rencontrés une première fois sur le plateau du JT de France 2 en 2010, un an après la mort de Jocelyn Kiefer. Mais si est-il lors d'une nouvelle interview, sur le même plateau, que la magie a opéré? C'était le 15 juillet 2012 et la belle blonde venait présenter le film Paris Manhattan. Depuis, ils ne se sont plus quittés et sont à la tête d'une belle famille recomposée puisqu'avec Jocelyn Kiefer, Alice Taglioni a eu un fils, Charlie, né le 18 mars 2009.